La grâce et la paix nous sont données en ce jour où nous célébrons la présence de Dieu qui quitte son ciel. Noël est le jour du grand déconfinement de notre Dieu, comme me le disait un jour un vieil ami, Dieu qui se laisse découvrir dans le visage d'un enfant, d'un tout petit, d'un nouveau-né. Bien sûr, qu'il se mêle de nos affaires n'est pas nouveau. Depuis l'origine du monde, il accompagne nos histoires individuelles et nos histoires collectives, aussi l'histoire de l'univers visible et invisible. Mais en ce jour de Noël, c'est la distance entre lui et nous qui est abolie, la frontière entre le ciel et la terre qui est franchie. Et là, il devient l'un d'entre nous, l'un au milieu de nous. Alors soyez tous les bienvenus au culte de ce matin de Noël, que vous nous regardiez depuis chez vous, depuis votre foyer ou depuis la cathédrale Saint-Pierre qui accueille un public limité aujourd'hui, que nous soyons au loin, que nous soyons au proche, nous sommes tous rassemblés, rassemblés autour du berceau, rassemblés autour de la bonne nouvelle de Noël, du Dieu lointain qui se fait tout proche. Ce matin, ce 25 décembre, nous serons nombreux à prendre la parole et je salue particulièrement les plus jeunes d'entre nous qui ont accepté de lire des prières et des récits dans l'Évangile pour témoigner du bonheur qui nous rassemble. Nous sommes, d'une certaine manière, tout un peuple en marche qui, même s'il ne peut pas chanter, même s'il ne peut plus s'embrasser temporairement, même s'il ne peut plus trop bouger, vibre tout entier de l'arrivée d'un sauveur salutaire qui illumine nos nuits et donne de la densité à nos jours. Et nous entendons maintenant le cœur nous chanter « Viens, peuple fidèle, entends la nouvelle ». Thank you.
Voilà, c'est Henri Barbet qui nous conduit maintenant dans la louange de ce jour avec les mots de la pasteur et poète Francine Carillo. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom résonne de mille noms. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix, dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse, quand la morsure de la solitude se fait vivre. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom résonne encore aujourd'hui. Nom de confiance, aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité, quand tout ressemble à rien. Nom d'avenir, quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom, chaque jour, nous invente un chemin. Mais qu'est-ce que Noël nous dit de Dieu? Qu'est-ce qu'elle dévoile aussi de son identité? Qu'est-ce qu'elle nous dit de lui? Nous écoutons une réponse parmi beaucoup d'autres possibles qui nous est dite aujourd'hui par Lucie Bertrand. Je ne crois pas en un Dieu qui viendrait régler les problèmes à notre place et qu'il suffirait de prier la nuit pour transformer le jour. Je crois en un Dieu qui, dans l'histoire biblique et surtout dans la nuit de Noël, apparaît comme la source de la vie. Je ne crois pas en un Dieu qui donne la vie à des dieux. Je ne crois pas en un Dieu qui aime le spectaculaire, le fantastique, l'extraordinaire. Je crois en un Dieu qui donne une vie fragile et forte, éphémère mais éternelle. Je ne crois pas que Jésus ait eu des super-pouvoirs. Son pouvoir, c'était d'aimer les gens et de les aider autant qu'il le pouvait. S'il a accompli des miracles, c'est parce qu'il croyait qu'il y avait toujours, derrière les frontières du possible, de l'impossible qui pouvait arriver. Je crois en un Dieu qui croit en la puissance de l'amour. Je ne crois pas en un Dieu qui pourrait un jour abandonner sa création à elle-même. Sa parole demeure une étoile qui nous guide dans nos choix et nous conduit vers les plus petits d'entre nous. Je crois en un Dieu qui n'a pas dit son dernier mot. Je ne crois pas en un Dieu qui pourrait être sans nous. Seul dans son ciel, il perdrait son temps. Il est sur la terre, vivant au milieu de nous, exposé au froid, à la faim, à la mort, pour éveiller en nous les puissances de vie, de justice et d'amour. Je crois en un Dieu que chaque naissance révèle. Amen. Thank you.
fête œcuménique par excellence. Elle réunit, bien au-delà des frontières confessionnelles et religieuses, elle réunit les chrétiens et les païens, les croyants et les non-croyants. Des pasteurs et des prêtres commentent, bien sûr, depuis le fond des âges, les récits de la nativité, mais aussi des poètes, des philosophes, des écrivains, des artistes, des peintres et des musiciens. Alors comment mieux dire que ce récit appartient à tout le monde et que nul, et surtout pas les ecclésiastiques, n'en ont le monopole. Alors, cette année un peu exceptionnelle, durant ces deux jours de célébration de Noël qui ont lieu depuis la cathédrale Saint-Pierre, nous avons écouté ce que Noël a pu inspirer à un poète, Philippe Jacotet, un écrivain, Paul Claudel, un théologien, pasteur qui vécut les années de guerre, Martin Niemöller, et nous aurions pu en choisir beaucoup d'autres. Mais ce matin, nous allons laisser la parole à Michel Serres. Michel Serres qui aurait fêté le 1er septembre 2020 ses 90 ans. Il est mort peu de temps avant, le 1er juin 2019, après avoir très profondément marqué son époque par sa pensée, toujours située aux confluences de la science, de la philosophie, de l'histoire et bien entendu de la théologie qui touche absolument tous les univers de la pensée. Au moment de la parution de l'un de ses derniers livres, qui était magnifique et très original, c'était une méditation sur la philosophie de l'histoire qu'il avait intitulée « Darwin, Bonaparte et le Samaritain », quand il répondait aux journalistes qui lui posaient la question de savoir s'il avait encore un livre à écrire après plus de 75 ouvrages qu'il avait publiés, il disait « Oui, il m'en reste un ». Et c'est un livre sur la philosophie de la religion. Eh bien, figurez-vous qu'il a remis ce manuscrit exactement deux jours avant sa mort et il l'a daté à jeun 1945, Vincennes 2019. À jeun, en France, dans le Lot, c'est sa ville de naissance. Et en 1945, il avait donc 15 ans. Et c'est à 15 ans qu'il a commencé à écrire ce livre. Et Vincennes, c'est la ville où il nous a quittés le 1er juin 2019 à l'âge de 89 ans. Autrement dit, il a travaillé ce manuscrit toute sa vie. Et ce livre qu'il a titré « Relire le relié » relie au fond sa vie, sa pensée et tous les domaines auxquels sa curiosité sans cesse en éveil s'est intéressée. Alors, pour Michel Serres, ce livre, Relire le relié, est comme son testament spirituel, et c'est un vrai trésor. Alors, en ce jour de Noël, c'est Michel Serres qui va nous guider et nous accompagner dans la lecture et la compréhension de ce qui se passe dans la nuit de Bethléem et pourquoi cette nuit d'autrefois continue à éclairer notre vie d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, avant d'entendre le récit qui nous sera fait ce matin par Louis Cuindet, nous nous en remettons à Dieu dans la prière pour que son esprit nous ouvre au souffle de sa parole. Nous prions. Dieu notre Père, merci parce que, en ce jour de Noël, nous nous souvenons que ta parole s'est fait chair en Jésus de Nazareth et que sa parole par lui a habité parmi nous. Mais que la plupart du temps, c'est par nos mots que tu te révèles, par nos mots que tu apparais. Alors fais qu'en ce jour de Noël, nos mots soient inspirés, que nous puissions te sentir présent au milieu de nous, non seulement en train de naître, mais en train d'être là, avec nous et au milieu de nous. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, nous lisons les versets 18 à 25. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de rompre secrètement ses fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils que tu appelleras Jésus,
car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ce nom signifie « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils, que Joseph appela Jésus. Alors, après avoir entendu ce récit de la nativité dans l'évangile de Matthieu, voici le commentaire que Michel Serre en a fait et qu'il a titré « Sainte Famille ». On compte, écrit-il, trois manières de paternité, maternité ou filiation. Une paternité ou maternité naturelle par l'œuvre de la chair, une paternité ou une maternité légale par la déclaration aux autorités civiles, et puis aussi une paternité ou une maternité adoptive, c'est-à-dire par choix. Alors dans la Sainte Famille, vous avez le père, Joseph, qui n'est pas le père naturel, ni Jésus, le fils naturel. Mais il est impossible que la mère ne soit pas la mère, puisque nous sortons tous d'un ventre féminin. Au total, la Sainte Famille innove puissamment dans la société du temps, cette société fondée par la généalogie familiale, et elle la déconstruit en substituant au lien naturel de parenté une structure imposée par les Romains qui s'appelle l'adoption, c'est-à-dire le choix individuel et libre, le choix par amour. Je te choisis parce que je t'aime. Le dur laisse la place au doux et la nature laisse doucement sa place à la surnature. Voilà qu'advient la bonne nouvelle. Comme structure élémentaire de la parenté d'abord, mais de plus comme élément de toute relation humaine. Relation essentielle et universelle, l'amour construit les relations pour un monde nouveau. À partir de la naissance du Christ, une ère nouvelle se lève, où la parenté ne se fondera plus en nature, même du ventre d'une femme, mais selon le précepte évangélique « Aimez-vous les uns les autres ». Que vous soyez père et mère, fils et fille naturels et légaux, vous ne ferez partie de la famille chrétienne que si, de plus, vous vous choisissez individuellement par amour. De plus, et du point de vue de la psychologie et des sciences humaines, vous vous construirez comme parents et vos enfants se construiront comme descendants si et seulement si chacun, librement et individuellement, choisit l'autre par amour. Je rêve, écrit Michel Serre, je rêve que toutes les mères, passées la délivrance, je veux dire la nativité, disent à leur enfanson couché nu sur leur ventre nu, et comme pour répondre à son premier cri, « Je te reconnais, je t'avais choisi, c'est toi justement que j'avais longtemps désiré, je t'adopte parce que c'est toi que j'aime ». Yeah.
Et nous poursuivons ce récit de la naissance de Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, avec l'arrivée des mages. C'est Lucie Bertrand qui nous le lit maintenant. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent, « À Bethléem, en Judée. » Car voici ce que le prophète a écrit. « Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda. Car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Voici un récit préjugé mythique, commence Michel Serres dans l'une des plus belles pages de son livre, qu'il intitule « Les rois mages ». Voici un récit préjugé mythique. Roi peut-être, savant à coup sûr, Gaspard, Melchior et Balthazar, guidés par une étoile, cheminent. Comme une vieille tradition raconte que chacun représente un tiers de l'humanité, c'est l'univers tout entier en devenir qui voyage. Mages, donc sages, ils excellent dans leur discipline, l'une fondée sur l'or. Aujourd'hui, nous dirions économiste, le premier. Et comme la myrrhe aromatique développe les vertus médicinales, nous dirions du deuxième qu'il est botaniste, savant, biochimiste. Voyez maintenant se délier les volutes de l'encens, utilisées partout depuis la nuit des temps pour faire monter vers les dieux louanges, prières et supplications. Nous dirions le dernier poète, roi mage. Voilà le titre que méritent les meilleurs experts dans leurs pratiques respectives. Et nous dirions aujourd'hui que Gaspard Or eut mérité de recevoir le prix Nobel de l'économie. Melchior Myrrhe, celui de la physique ou de la médecine. Balthazar, enfin, celui de la littérature ou de la paix. Roi mage, puissant donc dans le savoir. L'un connaît la force énorme chez les hommes de l'or. L'autre, la puissance de la science et de ses applications médicales. Et le dernier peut évaluer la valeur du langage et de la communication. Tous trois savent ces trois valeurs capables de construire ou de détruire les choses et les groupes, de faire ou de défaire les rois, la guerre ou la paix perpétuelle. Ont-ils inventé ces valeurs ? Nous ne le savons pas. Au moins, voyons-nous que, luxueusement, ils représentent leur présent, c'est-à-dire l'argent, la science et la langue. Comme de réels savants, voilà les trois rois toujours et de nouveau en quête, en marchant vers une étoile. En marchant vers une étoile, ils rêvent de mieux encore. Ils rêvent des fondements, des bases de leur richesse. Ils rêvent du pouvoir royal issu de leur savoir magique, des savoirs issus de leur pouvoir. Car tout bon chercheur se met toujours en recherche des sources de ses connaissances
et des secrets de leurs possibilités. D'où viennent-ils ? Peut-être de Perse. Mais alors qu'en suivant un repère très haut dans le ciel, ils cherchaient un extrémum de puissance et de gloire, dont la force pouvait rendre compte des tensions explosives qu'ils tenaient entre les mains, alors qu'ils rêvaient de décrocher le ciel, la lune et les constellations, ils trouvent, à la fin des fatigues extrêmes et des longues errances, un nouveau-né minuscule, couché dans une mangeoire de paille sale, entouré d'animaux banals et d'un couple non recensé, soit le minimum de fortune, de savoir et de langue. Ils quêtaient le tout, ils découvrent le rien. Ils cherchaient un roi plus puissant que leurs trois puissances dans l'immensité des pays qu'ils traversaient, sous le firmament dont ils recevaient la lumière, et ils découvrent, au fin fond d'une fosse glacée, trois SDF obscurs jetés dans le foin, entourés d'un bœuf et d'un âne, et visités de nuit par les bergers du voisinage. Ils recherchaient l'énergie ordinaire et globale qui transforme le monde. Ils découvrent l'étrangeté quasi vide et subtile de l'information. Ils découvrent enfin que ce rien de puissance et de gloire est absolument tout.
C'est Inès Chay qui nous accompagne maintenant dans la prière. Nous prions. Nous te louons et nous te bénissons, toi, le Dieu de l'univers, parce qu'en Jésus, tu t'es fait tout petit, tu t'es rapproché de nous. Tu es devenu l'un d'entre nous. Plus besoin pour te prier de lever la tête vers le ciel, il suffit de la baisser vers la terre. Tu es là, dans cet enfant, nouveau-né, vulnérable, pauvre entre les pauvres, soumis au froid et à la faim, désarmé. Nous te prions pour toutes les personnes qui vivent comme vivaient ton fils et ses parents, dans la précarité et la vulnérabilité de tous les jours, sans savoir de quoi leurs lendemains seront faits, devant se protéger des menaces et ne trouvant pas toujours d'hospitalité pour abriter leur pauvreté. Nous te prions pour les bergers, les bergères et les anges féminins et masculins d'aujourd'hui, celles et ceux qui savent reconnaître dans les plus petits d'entre nous ton visage et ta présence. Nous te rendons grâce pour la bonté, la générosité, l'humanité des personnels soignants qui prennent soin de nos malades et de nos vieillards, de nos enfants, qui les veillent et les protègent à force d'attention et d'empathie. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité sur notre pays et qui placent si manifestement la santé et la vie de tous au cœur de leurs préoccupations. Soutiens-les dans une tâche qui les expose et exige tant d'eux. Nous te prions aussi pour nos églises, leur fraternité et leur unité, qu'elles soient pour notre ville, notre pays et dans le monde entier, fermes de lumière et d'espérance. Et nous élargissons maintenant notre prière au monde entier en te demandant de nous prendre à ton service, pour faire lever l'humanité sur tous les lieux d'inhumanité, pour éclairer les lieux obscurs, pour nous garder les uns et les autres de toute injustice, de toute violence. Et tous ensemble, nous qui n'avons jamais vraiment su prier comme il faut, nous te disons cette prière que ton Fils devenu grand nous a laissée et qui, depuis la nuit des temps, monte de la terre, des quatre coins de la terre, vers toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oh.
Et nous laisserons les derniers mots à Michel Serres, qui écrit ceci à propos de la louange. Loin de nous livrer à la critique, au soupçon, à l'indignation, conduite qui ratatine, apprenons, oui, apprenons qu'il n'y a pas d'œuvre plus utile à notre survie que de consacrer sa vie comme monial et moine, comme Jean-Sébastien Bach lui-même, à cette louange. Magnificat anima mea. La joie de l'éloge dilate notre âme, qui aussi devient inventive que l'univers ou la vie. Et notre joie envahit alors l'universel des relations. Gloria in excelsis Deo. De nos bouches terreuses s'élève notre musique vers cette inaccessible cime. Paix sur notre basse terre. Paix enfin. Pax hominibus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse rayonner sur vous son visage. Qu'il vous donne sa paix manifestée dans l'enfant de Noël. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.